passer voir la cour d'honneur. On est vraiment au cœur de l'établissement. À la rentrée prochaine, plus d'une centaine d'enfants, uniquement des garçons, séjourneront ici dans cette école catholique. Anciennement basée à Liesse, en Picardie, l'école cherchait des locaux plus grands. Les voilà servis, 3700 m². Bon, mais il y a encore du travail. Hein. Ça avance bien. Mais qu'il faut entièrement rénover. Et 5 douches au fond, si j'ai bien compris. Donc là, ce qui est vraiment un point positif par rapport à aujourd'hui, c'est qu'ils auront vraiment leur propre bloc sanitaire par tranche d'âge. Ici, on se trouve en plein dans l'espace des garçons qu'on appelle la pré-maîtrise. Donc ce sont les plus jeunes, c'est CM1, CM2, 6e. Et donc, ils sont un peu coucounés chez nous, c'est-à-dire que comme ils sont petits, eh bien, on essaie de faire en sorte qu'ils aient un espace vraiment à eux, où ils se sentent bien. Si le chantier avance à grands pas, un lieu, lui, reste à être rénové. Cette chapelle datant du 19e siècle. La chapelle, elle est au cœur du dispositif de notre établissement parce que nos élèves pratiquent la musique de façon semi-professionnelle, quasiment une quinzaine d'heures par semaine. Et tous les soirs, ils viendront dans cette chapelle pour chanter ce qu'on appelle les vêpres. Et ce moment de musique quotidien, il sera ouvert aux Préciliens, aux Sartois, à tous les gens qui veulent venir. À l'année, une soixantaine de spectacles seront proposés par l'école. De quoi ravir les habitants. Pendant quelques mois, on s'est posé la question de savoir si ça allait pas être démoli. Mais non, on est ravis. On est ravis, mais tout le monde est ravi, je vous assure. Mais aussi les commerçants. Bonjour madame. Car des bouches, il va falloir en nourrir. Donc je pense qu'en fait, on va être quasiment sur une centaine de... entre 80 et 100 pains par jour. Il y a les jeunes gens, il y a leurs familles qui vont venir le week-end. Je pense que dans un village comme Précigné, ça peut apporter beaucoup de mouvement. Et de la musique surtout. En septembre prochain, les chants liturgiques et classiques viendront remplacer le calme de cette commune rurale de 3000 habitants.